Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième live de l'association Caméléon, le replay de ce sixième live si vous nous regardez en replay. Aujourd'hui, je vais accueillir deux marraines au grand cœur qui s'engagent pour l'association Caméléon en tant que marraine et puis à travers des actions de solidarité qu'elles mènent. Leur parcours et leur engagement pour Caméléon est absolument passionnant. C'est Céline, que vous connaissez sous le compte Couture for Caméléon, et Coralie, Dance for Children. Elles vont me rejoindre toutes les deux, l'une après l'autre. Je vais les accueillir dans ce live. On va parler de l'expérience d'être marraine. Et puis, on va aussi parler de leur séjour régulier aux Philippines à toutes les deux. Voilà, j'attends que Céline nous rejoigne, elle n'est pas encore connectée. C'est son premier direct Instagram. Et donc, elle va nous rejoindre. On va attendre quelques petites secondes. Vous dire aussi que nous recherchons encore 19 parrains et marraines. De nouveaux enfants sont arrivés au centre. Il y a également des enfants des villages à parrainer. Nous avons trouvé donc 21 parrains sur notre objectif des 40 que nous voulions atteindre. Et il nous en reste encore 19 à trouver. Donc n'hésitez pas à travers votre réseau, vos contacts, à parler de nous, surtout si vous vivez, vous, l'expérience d'être parrain et d'être marraine. Et voilà, je crois que Céline est là. Dans ce live, nous sommes samedi matin à 11h pour pouvoir en fait nous connecter avec le Japon puisque Céline habite au Japon. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Bon, on espère que la connexion Internet va marcher. On est quand même assez loin. Je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Il est quelle heure chez toi? 18h. 18h, d'accord. Si je t'ai invité sur ce live, c'est que tu es une marraine de l'association Caméléon et que tu es là depuis les débuts, puisque tu as rencontré Laurence en 1995. Donc ça commence à dater un peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de l'association Caméléon, puisque finalement tu étais là au commencement? Oui, donc j'ai rencontré Laurence en école de commerce à Lyon, donc en 95, et on était toutes les deux en spécialisation Asie. Donc on a passé 2 ans ensemble en école de commerce, et donc elle était là pour vraiment pour monter son projet en fait. Elle avait déjà fait. Donc voilà, donc on a terminé en 97, et moi je suis partie à Hong Kong et elle est partie aux Philippines. D'accord. Et vous vous êtes retrouvés alors en 2003, je crois, et une nouvelle aventure a commencé pour toi, puisque depuis lors, régulièrement, tu te rends aux Philippines et depuis 2003, tu t'engages pour Caméléon. Oui, donc en fait, en 2003, j'étais en voyage d'affaires aux Philippines, à Cebu. Et donc, j'ai recontacté Laurence et je lui ai dit, bah, je suis aux Philippines et est-ce que je pourrais venir à Iloilo? Et donc, elle m'a dit oui. Donc, du coup, de Cebu, j'ai pris l'avion et je suis allée à Iloilo et c'est là où j'ai revu Laurence. Quoi? Donc, 5 ans après, à peu près, et où j'ai découvert le premier centre, en fait. Un centre, maintenant il y en a trois. Et donc voilà. 2003-2020, qu'est-ce qui a changé en 15 ans? Ce qui a changé, c'est que maintenant il y a trois centres. Donc l'année dernière, je suis allée aux 20 ans et à l'inauguration, il y a 2 ans, et à l'inauguration du nouveau centre, du dernier qui est sur une autre île, à Elle Negros, est grosse. il y a trois centres. Voilà ce qui a changé. L'association a grossi, accueille aussi plus de jeunes filles. Et donc voilà. Et moi, entre-temps, je parraine ma troisième filleule. Et la dernière qui est donc du nouveau centre à Négros. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a plu dans cette expérience de parrainage?
Est-ce que tu aimes entretenir au quotidien ou en tout cas année après année, puisque c'est ta troisième filleule? Bah oui, donc la première fois que j'y suis allée, c'était donc en 2003, et donc j'ai rencontré ma première filleule qui avait 11 ans à l'époque, qui n'avait plus de maman et qui avait été abusée sexuellement par son grand-père. Donc on l'a parrainée. Maintenant elle a aujourd'hui 27 ans ou 28 ans, je crois. Et donc on l'a parrainée toute sa scolarité jusqu'à qu'elle sorte du programme, et elle a fait 4 ans d'université. Donc on a vraiment fait un long suivi, un long parrainage. Moi j'ai eu l'occasion d'y retourner quasiment toutes les années, parce qu'on habite en Asie, et donc c'était vraiment simple, enfin plus facile pour nous d'aller sur place. Et donc voilà, donc ça c'était mon premier parrainage, et maintenant j'en ai encore deux en cours. Aujourd'hui, cette première filleule, elle a 27 ans. Tu es toujours en contact avec elle? Oui, alors maintenant je suis toujours bien sûr en contact avec elle, donc par email, par WhatsApp. Elle est d'ailleurs elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, donc on reste en contact. Donc c'est ça qui est très beau, parce que vraiment, donc ça fait depuis qu'elle a l'âge de 11 ans, donc maintenant elle est vraiment sortie d'affaires. Elle a rencontré quelqu'un, un garçon qu'elle m'a présenté d'ailleurs, qui a l'air vraiment très bien, et puis là elle va devenir maman, donc elle me l'a annoncé il y a quelques mois en me disant que j'allais être grand-mère. Wow. J'imagine à quel point ça doit être émouvant d'avoir suivi ce parcours et d'en arriver là. Ouais, donc on l'a vraiment suivi pendant des années. On est allé aussi sur place pour sa graduation. Donc aux Philippines, ils font je sais plus comment on La dit, remise des diplômes, c'est ça? La remise des diplômes. en grande pompe avec l'uniforme, comme un peu aux États-Unis. Et donc voilà, donc on était conviés, on assistait à la cérémonie. Donc ça, c'était vraiment une grande fierté pour nous. Si tu devais définir en quelques mots le lien qui relie un parrain, une marraine à son filleul, à sa filleule, tu dirais quoi? Bah déjà il y a un lien avec des échanges de lettres, donc assez régulières, et c'est vrai que nous on a beaucoup voyagé, donc on écrivait régulièrement des cartes postales de partout dans le monde, de tous nos voyages. Et puis après il y a eu bah un lien plus fort, parce que nous on avait la chance d'aller sur place, donc de passer vraiment du temps avec elle, de voir ses progrès, de la voir grandir, de la voir se reproduire aussi, de faire des études, d'apprendre un métier, donc vraiment de l'accompagner toute son adolescence et maintenant dans sa vie d'adulte et de future maman. Aujourd'hui, tu mènes des actions de solidarité pour Caméléon. Tu as créé donc le compte Couture for Caméléon. C'est une association, on pourrait dire. C'est une initiative, une entreprise, on pourrait dire. Et tu as créé donc ça il y a quelques années. Et tu fabriques donc des objets que tu vends au profit de Caméléon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc ça a commencé il y a 3 ans. Donc j'étais à Hong Kong, je travaillais encore à l'époque, donc je faisais ça le soir et puis le week-end, et puis ça a bien marché. Donc j'ai commencé à faire donc de la couture, des accessoires. Donc j'étais pas du tout couturière, hein, donc j'ai jamais pris de cours de couture. Donc j'ai commencé à faire ça vraiment de façon vraiment comme ça. Autodidacte, ouais, autodidacte, on peut dire. Et à vendre à mes amis, à ma famille, et puis au fur et à mesure le cercle de mes contacts s'est agrandi, et donc du coup bah ça a permis de reverser pas mal d'argent, parce que là donc du coup au bout de 3 ans ça fait 10 000 euros que j'ai pu reverser grâce à la vente de ces accessoires solidaires. Et puis là, je viens de terminer une action que j'ai appelée Masques pour Caméléon. Donc, c'était des masques
pour se protéger pendant cette période un peu particulière. Et donc, il y a eu une production assez intense. Et j'ai eu des bénévoles qui m'ont aussi aidée ici au Japon. Donc, j'en ai fabriqué plus de 1000 que j'ai Wow. vendus dans le monde entier. Alors, on t'a perdu, Céline. J'imagine que tu vas revenir. Oui. On a Thomas qui nous dit vos masques sont magnifiques. Je crois que c'est Thomas hein, derrière le compte Maximus Proximus. Ouais, on est à nouveau avec toi, Céline. C'est bon. Donc, cette année des masques, et ce qu'il faut dire, c'est que tu fais des masques avec de beaux tissus japonais, puisque tu as pleinement bah, utilisé aussi bah, la culture peut-être dans laquelle tu es actuellement au profit de cette initiative. Oui, donc ici, il y a un accès aux tissus, évidemment, japonais qui sont un peu tendance. Donc ça, c'était plutôt bien. Donc ça m'a permis justement de faire des masques qui étaient aussi solidaires, mais aussi les gens les ont achetés parce qu'ils voulaient faire une belle action et puis aussi parce qu'ils étaient beaux et Ouais. que permis d'en vendre beaucoup. Donc d'ailleurs, je remercie tous ceux qui les ont achetés, qui ont fait ce geste, ont été aussi patients parce que ça a mis pas mal de temps au début par la poste à arriver. Donc je remercie les gens pour leur patience aussi. Mais donc tout est arrivé et donc voilà. Donc il y a eu 3000 euros qui ont pu être reversés grâce à cette opération en fait. Ce que l'on peut dire, je crois, Céline, c'est que Caméléon, on est toujours ravis quand on a des initiatives comme celle-ci, des ventes solidaires qui peuvent être organisées. Comment est-ce qu'on peut... Bah, est-ce que c'est simple à mettre en place et comment est-ce que tu pourrais, bah, comment dire, que tu pourrais inciter ceux qui nous écoutent à faire pareil peut-être ou faire avec leur propre talent. Oui, moi j'encourage vraiment tout le monde à faire quelque chose. Il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un talent. Nous, on a fait le week-end dernier la course des héros à Tokyo. Donc ça, je remercie aussi tous ceux qui sont venus et qui ont donné. Donc ça, c'était une première aussi opération à Tokyo. Après, à Hong Kong, j'avais organisé plusieurs événements. Laurence, elle était venue avec Chaline sur place. À Hong Kong, on avait organisé un brunch, on avait organisé un tournoi de baby-foot. Là, je suis en train de réfléchir pour organiser un tournoi de pétanque. Enfin, il y a plein de possibilités vraiment à faire. Même sur les dernières, j'ai fait pas mal de marchés de fin d'année, des marchés de Noël. Donc, il y a plein en fait d'activités, de choses qu'on peut faire pour Oui. de la vente de enfin des choses qu'on peut faire pour récolter en fait de l'argent et puis ça demande vraiment juste un petit peu de temps et puis un peu de motivation. Moi j'ai la chance quand même d'avoir aussi des gens autour de moi qui me suivent depuis très très longtemps et qui m'aident, qui viennent depuis toutes ces années. Mais ça se voit, certains sont présents ce matin, ils postent des commentaires. Tu as plusieurs personnes qui apparemment sont fans de tes masques et te remercient aussi beaucoup pour ton travail. On a aussi le compte Caméléon des Philippines qui te dit Thank you, Tita Céline, for doing so much for Caméléon, especially for the girls. Et puis Laurence, t'as aussi écrit un message. Est-ce que ça fait du bien aussi de se sentir membre de cette communauté et entourée et de pouvoir constituer, alors avec les filles déjà évidemment aux Philippines j'imagine, mais une sorte de famille on pourrait dire. Ah oui, ben ça c'est vraiment incroyable. J'ai recruté en fait une quinzaine de parrains dans ma famille, dans mes amis. Et puis ça aussi, je pense que il faut en parler en fait. Moi j'en ai beaucoup parlé. Enfin, je pense que les gens m'ont entendu parler de Caméléon depuis toutes ces années. Ils savent aussi que je vais sur place. Que je peux justement témoigner de ce que je vois,
des belles réussites qu'il y a. Donc tout ça fait que les gens, ils ont confiance. Ils savent que quand ils donnent de l'argent ou quand ils m'aident sur des opérations comme celle-ci, ils savent que l'argent va vraiment à l'association, aux filles. Et donc ça, oui, c'est vraiment hyper, déjà pour l'expérience, c'est enrichissant, c'est des belles rencontres, vraiment. C'est plein, plein de belles choses. Alors justement, quand VFAT, ça a un potentiel futur parrain, et qu'est-ce que tu lui dis pour lui convaincre de rejoindre l'aventure? Déjà, c'est une super expérience personnelle. C'est vraiment une opportunité qui, à la fin, ne coûte pas tant d'argent que ça avec les déductions fiscales qu'il y a en France. Ça peut permettre vraiment de changer la vie d'un enfant. Donc ça, pour moi, c'est très, très fort de sortir de la pauvreté, de lui permettre de faire des études, de rester aussi sur place. Aux Philippines, parce qu'il y a beaucoup de Philippines qui partent à l'étranger pour travailler, parce que c'est souvent des gens qui sont pauvres et qui ont besoin souvent d'aller à l'étranger pour travailler. Donc là, de faire des études, de pouvoir trouver un travail sur place, ça leur permet vraiment de rester avec leur famille, leurs enfants et d'aider aussi après leur propre famille et leur communauté. Donc ça, c'est vraiment impactant. Après, c'est aussi vraiment, voilà, c'est vraiment aussi pour moi vraiment une, c'est gratifiant, c'est une grande fierté, c'est vraiment, c'est une belle leçon de vie aussi. Et puis, j'encourage les gens à qui peuvent après aussi se rendre sur place, parce que ça, je pense que ça change vraiment la dimension du parrainage, de pouvoir rencontrer les filles, de voir comment ce qu'elles font au centre, toutes les activités qui sont mises en place. Donc tout ça, c'est vraiment, ça change vraiment la dimension du parrainage. Donc tous ceux qui pourront aller sur place, vraiment, je les encourage et Caméléon le permet en plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et oui, alors Caméléon donc le permet pour les parrains, pour les marraines, et puis aussi finalement pour tous ceux qui veulent apporter quelque chose, aider, amener une compétence. Et on en parlera d'ailleurs juste après toi avec Coralie. Coralie qui donne a donné des cours de sport et de danse aux Philippines pour les filles et organise des événements festif de ce genre. Tu as insisté tout à l'heure sur la dimension, comment dire, le cercle vertueux qui fait que en aidant les filles aujourd'hui aux Philippines, on permet aussi leur insertion en fait de tout court dans le, et qu'elles prennent pleinement leur place dans la vie dans la vie de leur communauté, on pourrait dire. Il y a aujourd'hui des bénéficiaires qui ont grandi, tu l'as dit. Certaines s'engagent contre les violences sexuelles, certaines sont membres du staff. Tu m'as même raconté qu'une bénéficiaire avait peut-être envie d'à son tour parrainer une jeune fille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Myriam, donc c'est ma première filleule qui est donc maintenant adulte et que j'ai vue donc l'année dernière et qui nous a fait part de son souhait de parrainer à son tour une fois qu'elle aura un boulot un peu plus stable et puis la possibilité de mettre en place elle-même un parrainage. Donc ça, c'est vraiment vraiment formidable. C'est vraiment c'était incroyable. Donc voilà, donc j'espère qu'elle pourra le faire. Donc là, bon, elle va avoir un bébé, donc je pense qu'elle aura aussi dans les prochains mois elle sera très occupée. Mais bon, en tout cas, ce souhait de voir cette jeune femme nous dire, moi je voudrais aussi, j'ai eu cette chance-là d'être parrainée et je voudrais à mon tour faire la même chose pour une jeune fille. Donc ça, c'était incroyable. Alors, Olivier nous demande quel métier exerce Myriam. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, tu sais? Alors pour l'instant, elle était bon, elle a fait plusieurs choses et puis pour l'instant, elle était du coup très très confinée aux Philippines. Donc elle
pas la possibilité de travailler, de sortir, etc. Donc, elle avait, je crois qu'elle avait monté quelque chose de vente de choses sur Internet, en ligne, etc. Mais en tout cas, elle était aussi avec, elle avait rencontré donc ce jeune homme qui lui travaille et qui était aussi très, enfin, très stable et vraiment, vraiment bosseur. Donc ça, je suis contente aussi que ce soit. Et puis ça fait des années que ça dure. Donc c'est vraiment une relation sérieuse. Et donc ça veut dire aussi qu'elle a réussi à se stabiliser, à se reconstruire, à pouvoir elle-même créer en fait une future famille et être en couple. Donc ça, c'est aussi beau, sachant, connaissant le passé traumatique qu'elle a eu. Donc ça, c'est aussi une belle réussite, une belle récompense. La situation aux Philippines est préoccupante aujourd'hui de par le confinement, de par aussi la restriction des libertés, liberté publique qui plane sur le pays. Est-ce que lorsque tu t'engages et que tu vas aux Philippines, tu mesures le courage de ces femmes, de ces hommes à porter une parole contre les violences sexuelles? Oui, donc les Philippines, ce n'est pas un pays facile, entre guillemets. C'est un pays quand même assez, bah, déjà plutôt, enfin, où les gens sont plutôt pauvres. C'est un pays assez violent. C'est un pays avec un président assez, assez atypique. Donc, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Donc, oui, c'est encore plus difficile pour ces femmes de libérer aussi leur parole, de parler de de ce qu'elles ont vécu, de porter plainte, de leur traumatisme. Donc c'est encore, oui, c'est encore plus dur, pour elles. On aspire, Caméléon, à un monde sans violence sexuelle. C'est aux Philippines, c'est en France, c'est peut-être aussi au Japon. C'est quoi aujourd'hui la situation? Est-ce que tu sais un petit peu le rapport à la violence, aux violences sexuelles, la libération de la parole sur ce sujet au Japon? Alors, le Japon, il faudrait 1 heure, mais c'est compliqué. Je pense que c'est un des seuls pays où le mouvement, par exemple, MeToo n'a pas du tout pris. C'est un pays très assez patriarcal encore, et donc il y a vraiment encore une chape de plomb sur ces problèmes en fait qui existent, hein, parce que ça, c'est vraiment les violences sexuelles sur la pédophilie, etc. C'est vraiment dans tous les pays, dans tous les milieux sociaux. Donc le Japon n'échappe évidemment pas à ça. Mais pour l'instant, au Japon, on n'en entend pas trop parler. Il y a des cas, mais je pense qu'ils ont vraiment du mal à en parler. On n'en parle pas, en fait. C'est vraiment. Donc pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail aussi à faire. Mais ça avance vraiment, ça avance dans tous les pays. Oui, c'est quand même une bonne chose. Et Caméléon, vraiment. Aussi en France qu'aux Philippines, vraiment montre la voie en fait sur justement sur cette protection de l'enfance, sur les droits des enfants, sur tout ce qu'il y a autour, sur les dangers d'Internet pour les enfants. Enfin, tout ça, c'est vraiment un grand, grand sujet et je pense que les gens découvrent aussi un petit peu et puis il faut aussi en parler, il faut dénoncer tout ça et. Et donc, Caméléon fait vraiment un gros travail aussi en France, parce qu'en France, on n'est pas, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de cas et on commence vraiment maintenant à en parler et à découvrir l'ampleur, en fait, de la. De la situation. Je vais accueillir Coralie qui va nous rejoindre. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Céline, avant de nous quitter? Ben, je sais qu'en ce moment, il y a encore une quinzaine de parrains que Caméléon recherche. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde, tous ceux qui veulent vraiment avoir une expérience personnelle avec cette association, avec un enfant, parce que ça peut être aussi une jeune fille des centres Caméléon, mais ça peut être aussi un enfant dans les villages. Donc, il y en a à peu près, il y a 400 familles que Caméléon aide. Donc, je sais que maintenant, vous recherchez encore une quinzaine de parrains. Oui, on recherche encore 19 pour être exact. Oui.
Donc, j'encourage vraiment à tous ceux qui veulent franchir le pas. C'est vraiment une super expérience et avec beaucoup de suivi, avec beaucoup de retours. Et c'est une ONG qui est encore à taille moyenne. Donc, où il y a vraiment une transparence et un suivi, une possibilité d'aller sur place. Donc voilà, si vous voulez donc agir. Et puis après, il y a aussi la possibilité de faire du bénévolat, de faire plein d'actions pour tous ceux qui ne veulent pas forcément faire le parrainage, mais il y a plein de belles actions à faire aussi. Et voilà, il faut juste un tout petit peu de temps et de motivation. Merci beaucoup, Céline. Je te dis à très bientôt et une bonne fin de soirée chez toi au Japon. Merci, à bientôt. Alors, voilà, je vais accueillir ma deuxième invitée, Coralie, qui va arriver. Vous pouvez retrouver Céline sur son compte Instagram, Couture for Cabelléon. Elle publie plein plein de choses et vous pourrez suivre ses dernières collectes. Bonjour Coralie. Bonjour. Tu es en Belgique, toi? Oui, enfin là, aujourd'hui, je suis au Luxembourg, mais Tu es au normalement, je suis Luxembourg. basée en Belgique. D'accord. Oui. En principe, il est la même heure que nous là-bas. Oui, c'est la même heure. Il n'y a Il pas est de. bien 11h26. 11h26, oui. On est donc samedi matin et donc on a fait un petit bout du live avec Céline que tu connais, je crois. Vous êtes rencontrés déjà? On ne s'est pas rencontrés physiquement, mais je collabore souvent avec elle. Par exemple, pour son opération pour les masques, j'ai centralisé toutes les commandes pour la Belgique. Donc, en fait, on est en contact régulièrement comme ça. C'est ça aussi, la famille Caméléon, en fait. Vos initiatives se ressemblent un petit peu puisque vous êtes tous les deux des marraines et que vous avez voulu vous engager un peu plus, un peu autrement, elle à travers la conception de masques et d'objets de couture, et toi en organisant des événements autour du sport et de la danse qui doivent être tes passions, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, moi, j'ai trois casquettes chez Caméléon. D'abord, je suis marraine depuis 2006. J'ai d'abord parrainé deux jeunes filles du programme de réhabilitation. Et ensuite, là, actuellement, je parraine deux jeunes filles et un garçon du programme éducation et développement. Et je me rends régulièrement sur place pour rencontrer mes filleuls. À côté de ça, en 2010, j'ai créé une association en Belgique qui s'appelle Dance for Children et qui organise des événements, en effet, qui sont liés au sport et à la danse, mes deux passions, effectivement, pour collecter des fonds pour des associations, dont Caméléon. Et alors, à côté de ça encore, je suis devenue, en 2018, après avoir discuté avec Laurence Ligier, je suis devenue référente pour Caméléon Belgique. Donc, en fait, si tous les parrains et marraines belges, quand il faut communiquer, je leur envoie des emails centralisés. Je réponds aussi à toutes les questions qui sont propres à la Belgique, comme la déduction fiscale, ou On en parlera. comme je viens de le dire, j'ai centralisé les commandes de masques de Céline pour les faire venir du Japon en colis groupés. C'est Donc voilà. important pour toi que l'association puisse avoir des relais un peu partout dans le Oui, monde. je pense parce que bah, comme tu dis qu'on va en discuter, mais la déduction fiscale n'est pas la même dans les différents pays. Ils peuvent avoir des questions bien particulières qui sont liées à la Belgique. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir un relais dans chaque pays. Par exemple, en 2018, on a fait venir Laurence et une ancienne bénéficiaire, Chéline, pour témoigner à Bruxelles. Et forcément, ça aide pour collecter des parrains, pour communiquer. Donc oui, non, c'est important. Aujourd'hui, il y a combien de parrains marraines en Belgique? Tu sais Ah, un peu? avec les nouvelles parrains-marraines qu'on a eues, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire on a atteint la vingtaine et La j'espère vingtaine. atteindre la trentaine. La trentaine autour de toi. D'ailleurs, toi, tu es allé un peu plus loin parce que tu as mobilisé ton entreprise. Vous avez décidé ensemble de faire pour Caméléon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, j'ai mobilisé un peu tout le monde, hein. Je dois dire que ma sœur parraine, mes amis parraines vont sur place. Mais oui, non, c'est l'année dernière, j'ai proposé à mes collègues en fait de parrainer des enfants chez Caméléon. Et il y en a beaucoup qui ont répondu présent. Il y en a une, Tina, qui devait venir sur place cette année, rencontrer sa filleule et apporter ben, justement des cadeaux aux filleules de nos autres collègues, mais elle n'a pas pu venir sur place à cause du Covid. Mais oui, en fait, c'est à la chaîne. C'est comme ce que Céline expliquait. J'en parle tellement
que la période où on recrute les parrains, à ce moment-là, je poste un appel au parrainage et je reçois des messages de gens qui ont tellement vu mes vidéos et mes posts pendant l'année que du coup, bah, ils viennent vers moi pour me dire « ça y est, je suis prêt ». C'est souvent cette phrase-là qui m'envoie. Et c'est très chouette, oui. Alors, je crois que tu tenais à dire quelque chose, c'est que le parrainage, c'est assez facile à faire, en fait. On fait un virement tous les mois. On va parler des différents niveaux de parrainage. Mais pour toi, c'est aussi un engagement qui est fort. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le rappeler, que cet engagement est important? Oui, donc c'est vrai que parrainer, c'est un coût financier. Cela dit, avec la déduction fiscale, au final, c'est pas un montant qui est très élevé par mois. Pour moi, c'est plus le fait que si je m'engage à prendre un ou une nouvelle fiole, je vais lui écrire. Je m'engage vraiment à lui écrire. Donc tous les mois, j'ai un rappel dans mon agenda de lui écrire. Je note l'anniversaire. Je pense aussi à écrire à Noël. Parce qu'en ayant été sur place, j'ai quand même un peu vu la différence entre les jeunes filles qui recevaient des courriers régulièrement et celles qui n'en reçoivent pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a... En fait, en parrainant des enfants chez Caméléon, on les aide financièrement, c'est certain, mais on les aide plus que financièrement. Donc, elles ont vraiment des photos de leurs parrains dans leur petit casier, au-dessus du lit. Elles sont fières. Moi, quand elles avaient des bons résultats scolaires, quand j'allais sur place... Elles étaient très contentes de me le dire. Et au contraire, quand elles avaient un mauvais résultat scolaire, elles étaient gênées. Donc, il y a quand même un engagement qui fait qu'on... La relation est complètement différente si on écrit. Et le bénéfice pour l'enfant est quand même différent s'il sent qu'il y a un support moral derrière le soutien financier. Bon, évidemment, je ne vais pas dénigrer non plus le soutien financier, mais pour moi, c'est 50-50 quand même. Alors justement, le soutien financier, on a publié un post il y a quelques semaines sur... la déduction fiscale en France, les différents niveaux de parrainage et à combien est-ce que ça vous revient après donc la déduction fiscale de 75% il me semble. Aux Philippines, les choses ont un peu bougé avec le Covid. Est-ce que tu peux nous dire maintenant ce qu'il en est pour les dons? En Belgique, les dons sont déductibles à normalement 45%, mais comme cette année il y a eu la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures et en 2020, c'est déductible à 60%. Donc, j'en profite pour faire un appel aux parrains. Profitez-en pour commencer à parrainer cette année. C'est une initiative qui, pour l'instant, est limitée à 2020. Après, peut-être qu'ils vont la prolonger. Mais les déductions fiscales sont un peu moindres qu'en France. Mais cette année, elles sont quand même importantes. Ce qui fait qu'au final, ça revient. Si on prend le montant de parrainage le moins élevé, je pense que c'est 24 euros. Ça ne revient pas à grand-chose, en fait, par mois. Ouais. C'est même pas un restaurant ou... ou un verre dans un bar, donc c'est quand même intéressant. Voilà, donc vous faites donc une belle opération, vous créez un lien fort avec un enfant, donc il y a vraiment un tas d'engagement, enfin un tas de d'avantages, on peut dire, et puis à travers ton témoignage, on est touché, je crois, puisque tu es allé plusieurs fois aux Philippines, tu as vu ce que c'est que d'être marraine et d'aller voir sa filleule aux Philippines. Tu as été marraine de 3 jeunes filles, je crois, jusqu'à présent, c'est ça ? J'ai eu 2 jeunes filles du programme de réhabilitation, et là, actuellement, j'en ai 3 dans le programme éducation et développement. Wow. 2 jeunes filles et un garçon. Et en fait, ce qui est génial en allant sur place, c'est que, bon, déjà, en écrivant, on sent que la relation est un peu différente en fonction de chaque enfant, parce qu'ils ont des personnalités différentes, et puis, ils n'ont pas toujours le même âge. Mais en allant sur place, on crée vraiment une relation qui est différente, qui est beaucoup plus forte. Ça se ressent après dans les lettres qu'on reçoit. Et puis, c'est vraiment chouette parce que c'est des jeunes qui ont des personnalités. J'ai des jeunes filles qui sont hyper timides. Donc, quand j'arrive, elles mettent 10 minutes avant d'oser venir dans mes bras. Et puis alors, dernièrement, c'est la première fois que je parraine un garçon, Jason, qui lui, c'est un compétiteur, il joue au basket. Donc, quand j'y vais, c'est plus on va tirer au panier et on va embêter celui qui perd. Donc, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment des enfants avec leur vraie personnalité, des relations qui sont complètement différentes. Et puis, en allant sur place aussi, on rencontre plein d'autres personnes. Moi, maintenant, les titas, donc les mamans de substitution qui sont sur place, et je les adore parce que je les vois. Là, ça fait 3 ans de suite que j'y vais, mais je les connais. Il y a Chéline, que j'ai rencontrée en 2010 quand elle était bénéficiaire. Ben, maintenant, c'est ma copine, Chéline. Donc, en fait, on rencontre tellement de belles personnes, Laurence Ligier en premier, que c'est ça qui est chouette avec Caméléon. C'est comme Céline disait, c'est pas une énorme ONG. Et donc, en fait, au final, on connaît tout le monde.
Et c'est une belle histoire. Alors, Laurence, que tu as rencontré il y a quelques années, tu as posté un petit message, et je me permets de le lire. L'engagement de Coralie est total et exemplaire. Marraine, bénévole, mobilisation de son réseau, pro et perso, et de nombreuses visites sur le terrain. Toute l'équipe philippine l'adore. Voilà, mais j'imagine que ça doit te faire plaisir. Oui. Tu organises des cours aussi de sport et de danse, enfin en tout cas des ateliers plutôt aux Philippines, donc lorsque tu y vas, c'est ça? Oui, en fait, quand je pars, souvent j'emmène une ou deux personnes avec moi pour m'aider pour les cours ou aussi pour sensibiliser plus de monde. Parce qu'en fait, au final, à part le billet d'avion, sur place, ça ne coûte pas grand-chose. On est logé, nourri, blanchi, je crois que c'est même pas 8 euros par jour. Et c'est un pays magnifique à visiter, ça, il faut le dire. En fait, si vous venez chez Caméléon, vous pouvez après, à 2 heures de route, finir sur des plages magnifiques, C'est ça aussi. Faire des petits tours en bateau. Donc, c'est vraiment... C'est la destination parfaite. Donc souvent, j'emmène des gens avec moi. C'est principalement des danseuses, parce que dans mon réseau, j'ai beaucoup de danseuses. Donc, elles viennent donner cours. Mais il y a 3 ans, en 2017, j'ai un ami très proche qui est boxeur. Donc, il est venu donner des cours de boxe et les filles ont adoré. Et en fait, c'est vrai que c'est très chouette d'aller sur place et de faire une activité en plus. Et après, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. L'année dernière, on est venu avec un photographe, on est venu avec des danseurs, mais bon, ils ont besoin de tout. Si c'est quelqu'un qui sait juste dessiner, ça peut être des cours de dessin. C'est important, cette expression pour les filles, à travers le corps, à travers l'art peut-être, pour qu'elles puissent peut-être prendre confiance et explorer tout leur potentiel. Oui, c'est super important. C'est d'ailleurs pour ça que Caméléon organise la thérapie du cirque. Donc, c'est parce que ça leur permet aussi de prendre confiance en elles et de s'exprimer. La danse, c'est la même chose. Et alors, quand on a été donné les cours de boxe, j'ai découvert que la boxe aussi, en fait, ça les a permis vraiment de se défouler, de reprendre confiance en elles, parce que, ben voilà, elles se sont rendues compte qu'elles peuvent apprendre à se défendre, qu'elles peuvent tout sortir. Il y a des filles qui venaient, après les cours, demander à Laurent, donc, qui était le professeur de boxe, s'ils ne voulaient pas continuer parce qu'elles avaient vraiment besoin de tout faire sortir. Donc oui, c'est super important. Tu organises aussi des événements liés au sport et à la danse en Belgique. Tu en as un samedi prochain, samedi 11 juillet. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe et à quoi servent ces événements finalement? Les événements, ça sert principalement à collecter des fonds, mais aussi on fait toujours un petit mot avant ou après pour sensibiliser les gens, pour essayer de trouver des nouveaux parrains, ou quand on organise un stage de danse comme samedi, pour éventuellement, s'il y a des danseuses pros qui participent au stage, de les faire rejoindre notre association Dance for Children, pour soit donner cours elles-mêmes en Belgique ou aux Philippines, où on a une chaîne aussi en ligne, une chaîne de cours en ligne qu'on a créée juste avant la crise du Covid, pour pouvoir collecter des fonds. Donc, on utilise les événements qu'on organise et pour créer des nouveaux contacts et pour collecter des fonds. Et samedi, en fait, on a une stagiaire, on prend une stagiaire dans Dance for Children tous les ans, qui, pour la fin de son stage, organise un stage de danse afro-dance à Bruxelles. Bon, et on peut faire venir que 10 personnes de nouveau dû à la crise sanitaire. Et c'est complet ou pas? Il y a encore des places? Il reste 5 places. Il reste 5 places. Ouais. Alors, à tous les amis sympathisants qui nous regardent en Belgique ou dans les zones limitrophes, samedi 11 juillet, donc cet événement, ce cours de danse afro organisé par Coralie et Dance for Children. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que ça va se passer, ce cours de danse? On a rendez-vous à 13h dans une salle de danse à Tervuren. Donc, toutes les informations sont dans le dernier post Instagram de Dance for Children. Donc, l'adresse, le contact, etc. Et c'est un cours de 1h30 avec un professeur qui est assez connu à Bruxelles. C'est la première fois qu'on fait Afro Dance. On essaye un peu de se diversifier. Hein. C'est tout niveau, donc il ne faut pas être, spécialiste pour participer. Et on va essayer de faire une ambiance très familiale, vu qu'on est limité suite à la crise du coronavirus. Mais ça va être sympa, c'est toujours très sympa en fait. Et vous pouvez donc retrouver toutes les informations de cet événement sur le compte de Coralie, Dance for Children. C'est là que l'on te retrouve, où tu postes également régulièrement. Donc
C'est toujours un plaisir de pouvoir suivre ce que tu fais, les initiatives des marraines et des parrains comme toi. Un dernier mot peut-être pour la fin, un message que tu aimerais faire passer? Ben, étant donné que Céline a fait passer déjà un message à tous les parents en général, moi je vais faire passer un message aux Belges, hein, je vais en profiter pour leur dire que s'ils ont juste envie d'aider, ils peuvent me contacter parce que j'aurai toujours quelque chose pour eux à faire, ça c'est certain. Mais on toujours des choses à faire, il suffit de demander à Laurence, elle nous dira qu'il y a toujours du travail à faire pour des équipes engagées et des personnes qui ont envie d'aider. Oui, il ne faut pas spécialement un talent. Hein. Comme disait Céline, on organise les 20 km de Bruxelles. Donc, organiser un événement, ça ne demande pas tellement de talent. On a aussi reçu Laurence et Céline à Bruxelles. Donc, ça ne demande pas grand-chose à part du temps. Il y a de l'artisanat à vendre. En fait, j'ai de l'artisanat chez moi, de l'artisanat philippin. Donc, s'ils veulent aider à la vente d'artisanat, ils sont les bienvenus. S'ils veulent juste aider à recruter de nouveaux parrains, parler de caméléon, tout. Moi, je suis preneuse pour tout, donc ils peuvent toujours me contacter. Même s'ils ont des questions sur le parrainage, la déduction fiscale, s'ils veulent faire un don matériel, je centralise aussi et puis je les enverrai à Paris. Donc, voilà. Voilà, vous avez deux superbes marraines, Céline au Japon, Coralie en Belgique. Elles ont lancé deux appels puisque nous recherchons encore 19 parrains et marraines. On en a déjà trouvé 21, donc on avance, mais il y a encore du boulot. Alors allons-y, tous les parrains, tous les marraines, les bénévoles et les sympathisants qui nous écoutent. N'hésitez pas à parrainer si c'est pas encore le cas, et puis à en parler autour de vous. Lorsqu'on écoute ton témoignage, Coralie, je crois qu'on ne peut que faire un parrainage. Moi, j'ai ma mère qui va parrainer là bientôt, et j'espère que je pourrai aller voir sa filleule, donc aux Philippines, très bientôt. Je te remercie infiniment d'avoir été présente. Merci pour cette bonne humeur et cette joie ce samedi matin. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et je vous remercie tous de suivre ces lives, ces rendez-vous maintenant hebdomadaires. On va essayer d'en faire encore quelques-uns avant les vacances d'été. Et puis, on se retrouvera à la rentrée certainement pour d'autres sujets. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir, Coralie.